Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Le but est de démontrer le théorème qui nous donne la matrice d'une composite applicationnaire. Plus précisément, on se donne des espaces vectoriels EP, EN, ER de base BP, BN et BR. On considère deux applicationnaires, une première de EP dans EN, petit f, et une deuxième petit g de EP dans ER. Autrement dit, la composée G-F de EP dans ER est bien définie. On note grand A la matrice dans la base dans les bases BP, BN de petit f, et grand B, la matrice de petit g, dans les bases BN et BR. Dans cette situation, nous avons la relation suivante. La matrice de G-F dans les bases BP et BR est égale à B fois A. Le but de la démonstration va être le suivant. L'application G-F est définie de EP dans ER. Au niveau notation, EP, on va appeler une base E1-EP égale BP. Pour ER, on va en appeler une base U1 jusqu'à UR, qui va être aussi noté BR. La matrice C, qui est la matrice de G-F de la base BP vers la base BR, est une matrice de coefficient CIJ. Plus précisément, on sait que la jème colonne de la matrice correspond aux coordonnées de G-F de J dans la base U1 jusqu'à UR. On veut calculer CIJ et ensuite on espère retrouver la formule du produit de la matrice B fois la matrice A. La démonstration va commencer par la matrice de petit f. L'application petit f va de EP dans EN. EP, on l'a déjà vu, a pour base E1 jusqu'à EP qu'on appelle BP. Pour EN, on va introduire la notation comme base epsilon 1 jusqu'à epsilon n de base PN. Si on considère la matrice grand A de petit f, pour rappel, la jème colonne de cette matrice contient les coordonnées de f de j dans la base epsilon 1 jusqu'à epsilon n. Nous allons donc pouvoir en déduire l'expression de f de j en tant que combinaison lisière des vecteurs epsilon k. Plus précisément, f de j va être égal à a1j fois epsilon 1 plus etc. plus anj fois epsilon n. De manière plus symbolique, en conclusion, pour tout petit j entre 1 et p, f de j va être égal à la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des coefficients akj fois le vecteur epsilon k. En deuxième étape, on va passer à la matrice de G. L'application G va de En dans ER, En de base epsilon 1, epsilon n, ER de base U1 jusqu'à UR. De même que précédemment, si on écrit la matrice B de petit g dans les bases adéquates, la kème colonne de cette matrice correspond aux coordonnées de G de epsilon k dans la base U1 jusqu'à UR. Ce qui nous mène à la conclusion que pour tout petit k entre 1 et n, g de epsilon k s'écrit comme la somme pour i allant de 1 jusqu'à r des coefficients bik fois ui. En se rappelant que cij est le coefficient du vecteur ui dans l'expression de g-f de j, on est donc amené naturellement à faire le calcul de g-f de j à partir de l'expression précédente que vous voyez encore sur le côté. La première étape nous a donné l'expression pour tout j entre 1 et p, f de j égale somme des akj epsilon k pour k allant de 1 jusqu'à n. Mais l'application petit g étant linéaire, l'image de la conditionnaire précédente est égale à la conditionnaire des images. Plus précisément, g rond f de j va s'écrire comme la somme pour k allant de 1 jusqu'à petit n des akj, le coefficient sort, on va dire, de petit g, fois le vecteur g de epsilon k. En remplaçant g de epsilon k par l'expression obtenue à l'étape 2, on obtient la somme suivante, somme pour k allant de 1 jusqu'à n, dakj, multiplié par, entre parenthèses, la somme des bikui pour i allant de 1 jusqu'à r. Afin de faire apparaître les coefficients c et j, on force l'apparition d'une somme pour i allant de 1 jusqu'à r de quelque chose fois ui. Le quelque chose en question est égal à la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des bik fois akj. En analysant l'expression obtenue pour le coefficient CIJ, on reconnaît bien l'écriture du coefficient IJ de la matrice produit B fois A. Dès lors, la démonstration est acquise. Cette démonstration est assez formelle. Cependant, il faut voir qu'elle repose essentiellement sur deux choses. Première chose, dans le calcul qu'on vient de voir, la linéarité de petit j pour en déduire l'expression de G-F de J. Et elle repose aussi au préalable sur l'interprétation des matrices applicationnaires de petit f et de petit g. Je répète le principe, la jème colonne d'une matrice correspond aux coordonnées du vecteur image ej, par exemple pour petit f, en fonction des vecteurs de la base d'arrivée.